Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur E4 avec Macrintor. Salut tout le monde! Donc. Ah merde, attends deux petites secondes, on enlève la pause. Hein. Hop! Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc on en était à. Hop, ouais, c'est toujours à notre truc là, démonter le Mroc. Les Maroc. Oh merde. Risque dupé. Quoi ça? Je risque moi aussi d'avoir une union personnelle entre l'Angleterre et la Lituanie. Ah ouais, toi tu fais pas les choses à moitié hein, quand tu vas avec des trucs, des vrais UP. Hein. Écoutez-le qui se fout de ma gueule. Combien ils ont de troupes là? Bah non, on le voit pas d'ici. Oh là là, l'Espagne, ils se font un pic défoncé. Putain, mais il meurt ce con droit là ou quoi? Je sens que c'est un merdeur de roi, il va faire exprès de pas mourir. Tu m'étonnes, le mec, il a jusqu'à 120 ans. Le pays va être complètement en ruine, le gars va sortir des ruines, il va faire hein? Ah, ça se passe bien. Et savoir, il va mourir quand tout va redevenir bien. Ouais, sauf que putain de merde, qui meurt? Non, il va mourir quand Macintosh se dira bon, faut pas que je perde un point de stab. Ah tiens, est-ce que... Et je vais prendre Agadir. Corruption. Putain, j'en ai passé la dèche. Putain, hasard, Agadir, il n'y a pas de rivière pour traverser. Plus de manpower. Fès. Mais j'aimerais bien. Putain, là, tu me fais une putain d'offre de paix. Là, le mec, c'est limite. Je t'en fous mon cul si t'arrêtes de me taper. Mais... J'irais bien, ouais, mon gars, honnêtement, ce serait plaisir. Le problème, c'est que. Bah... Attends, juste. Mon... Putain, genre. Côté, je perds 20 légitimités. Allez, bim, la légitimité. Oh merde. Oh putain.
Bon, ben, je crois que Macrintor a déco, hein. On va essayer de le rejoindre. Je suis désolé, on va essayer de faire ce que l'on va pouvoir. On verra si l'épisode-là sera en une ou deux morceaux. Je pense que, vu la durée du machin, ce sera peut-être en deux épisodes. Mais j'en sais rien, hein. Je vais attendre de voir comment Macrintor réagit. Comment est-ce qu'on peut discuter avec lui? Re, tu m'entends? Ouais, t'as planté? Ouais. Bah en fait, je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Ouais. Le jeu me dit que c'est toi qui es déconnecté. Bah moi aussi, il m'a dit que je t'avais perdu. Serveur Lost. Est-ce que tu peux essayer de te reconnecter au serveur? Moi, je quitte. Bon, bah, on relance le jeu. Tu sais, de faire un hot join. Putain, fait chier, on va devoir faire une concaténation d'épisodes. On va se taper 4 heures d'encodage pour... Oh là là là. Avant, c'était bien sur YouTube, on pouvait faire un montage comme ça, c'est super pratique maintenant. Bonjour à tous, ici Macrenor. Enfin, même pas bonjour, parce qu'en fait, pour vous, c'est la suite. Donc, concrètement, il y a eu un plantage de Surika ou de moi, enfin bref. Donc, voilà, on a relancé la partie. Comme il y a une connexion de merde, ça met 3 plombs. Donc, je me retape cet événement que j'avais déjà vu. Et voilà, allez, on enlève la pause. Alors, c'est pas ma faute. Je pense que la faute est celle de Macrintor parce qu'il a gardé en même temps le match de foot où les Marseillais perdent Bon, ça 2-0. va, voilà, il y a 2-0, donc j'ai arrêté de le regarder. Et mon putain de roi qui veut toujours pas crever, quoi. Ah oui, je vais remettre le timer aussi, où ça en était. Ouais, parce que 5 minutes d'enregistrement, donc on vous fait en mode Cohen un épisode de 5 minutes. La vérité, c'est 5 minutes. Et je vais mettre un ha-ha! En espérant qu'il y ait de m'attaquer dans les montagnes. Putain, la dèche, quoi. Pas de manpower, pas une tuile, rien, quoi. Mais putain de mes Le couilles. Portugal, L'espingouin qui se fait péter le fion. l'espagnol. Allez, récupère tes provinces et va péter les rebelles, espèce de zouzboub, va. Bon, en tout cas, je vais prendre la technologie, moi, dès que je peux. Morocco occupe Agadir. Portugal occupe pas, ouais. Bon, moi, j'occupe une province dans les montagnes. C'est plus intéressant. Prochain mois, ça y est, j'ai la tech et je peux envoyer mon colon. Ah Ah, bien. j'ai hâte, allez, dépêche-toi le timer. Yes, ça y est. Et si je regarde la carte, je peux envoyer. Morocco, ah. Je peux aller là-bas et si je peux, je me tape le allez-y et je me prends la gagne. Si j'arrive à temps. Oh, je peux me taper non seulement les trois îles de merde, mais également les îles qui sont au nord. Allez, vite, 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 faut que j'arrive avant la fin du combat. Et merde! Putain, ils ont gagné du moral, quoi. Fait chier, je me retrouve. Oh là là là. Ah, j'ai gagné parce que j'ai beaucoup plus d'hommes qu'eux, mais. On va convertir Reykjavik.
Le fouet de réforme y convertit, c'est très très bien. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il crève. Mon putain de roi de mes couilles, là. Bon, par contre, la connasse qui me gouverne, elle peut pas baiser un peu et me faire un héritier? Poufias. 9 avril. Moi-même, si je trouve une pouffe et qu'il baisse, ben, il va se la foutre. Même, c'est là. Quel âge il a maintenant? Il peut toujours pas mourir? 67 ans? Ah ouais, mais non. J'en sais bien, 67 ans, c'est presque comme 69, l'âge magique. Les gars, on est en 1499, là, tu pètes, tu meurs à l'époque. On a un bon, on a un bon. Il veut pas mourir, il veut pas mourir. Bah, dès qu'il meurt, je fais la paix avec le Morocco. Et ce pingouin, là, je sais pas ce qu'il me fait avec ses provinces. Il fait un coup de hey, je prends Castilla à la Vira, bah, moi je reprends Toledo. Il joue au ping-pong. Ça va être ça. Oh, tu vas si Tlemcen, il a pas assez de troupes. Le blaireau. La manpower, non mais sérieux. C'est quoi la manpower? Ben, c'est un truc que j'ai pas. Ah d'accord. La bêche. Oh, enfin la guerre civile en Castille. Bon, ça, c'est du gentil ce qui leur arrive. C'est que maintenant il revient pour m'aider à mettre sur la gueule du Marocain. C'est jamais assez. Vas-y, guerre civile, qu'est-ce qui se passe avec la guerre civile? Bon, on est plus copains avec l'Aragon. Bon, d'accord. Hein. Pense-toi, je convertis. Pense-toi, je convertis du sale hérétique, hein. Parce que les catholiques sont des hérétiques. Faut Ouais. pas l'oublier. Parce que je voulais le faire, je voulais passer protestant moi aussi. Mais voilà, c'est pas possible quoi. Je suis en guerre à cause de ce connard de roi qui veut pas crever. Allez, je me tape du Call for Peace maintenant. Non mais sérieux. Putain, 67 ans, l'autre tête de bite là. Désolé, c'est nerveux. Donc, voyons, voyons, là-bas. Où est-ce qu'il y a des trucs à piller là? Maintenant, on va les piller un peu. 11. Ah, on va les mettre en slip, les pauvres Marocains là. Le slip en poil de chameau, la dernière mode au Maroc. Ouais. Tu excuses, j'ai plus assez de thunes. Je suis en rade. T'en rates de quoi? De thunes.
pour les porcs. Parce que le colon, il coûte cher. Ah, je vais peut-être aller me faire Jollof. C'est pas que con. Donc 3062 hommes. J'ai un excédent de 15 hommes par mois. Oh, donc pour remonter mon manpower. Pete Charlot. Hop. Ah non, je vais rester là. On va continuer de piller. Pauvre Marocain. Alors on va lui rendre son territoire tout baisé, tout pillé, tout rasé, tout pourri. Ledger, Military, Armies, War Enemies. Moi, j'ai pas de manpower. Ah, lui, il a plus d'armée, plus de manpower. Il va péter en vol, le Marocain. Moi, je veux juste que mon roi y crève, hein, le Marocain. Putain, à qui je peux déclarer la guerre sinon? Si, je peux prendre jusque là-bas et dans la foulée déclarer la guerre à Tlemcen. J'ai commencé à builder du Spy Network. Comme ça, je déclare la guerre à Tlemcen, mais. Ça te donne quoi, ta colonie? Ouais, t'es en train de coloniser là-bas. Ouais. Ouais. T'as les moyens de lancer une deuxième colonie? J'ai pas de deuxième colon, mais je pourrais le lancer. Le problème, ce qui manque, c'est le fric. Je suis un pays protestant tout pourri, hein, je précise. Ah, si je finissais ma guerre, je peux partir protestant. Ah. Après, je te dis, je pourrais finir ma guerre, partir. Bon, attends, je vais faire ça. Quitter ma guerre. Tu sais ce qui serait je drôle? M'en pose. Si tu pars protestant, non, dis-moi. T'aurais le troisième centre de réforme. Ah. J'ai pas compris, reprends du début parce que j'entends mot sur trois. Bah en fait si tu pars protestant. Parle en français, pas en parisien. Si tu pars protestant, tu auras droit au troisième. Oui justement, il y a un centre de réforme, mais vous êtes que deux pays. C'est ça. C'est pour ça que je me dis, il faut vite que je finisse. Donc là je rappelle mon diplomate. Attends, non, je crois que non, si c'est ce que je pense. Ah non. Je crois que c'était le Danemark. Pour l'instant, il n'y en a que deux, donc, de centres de protestantisme. Il y a toi et Friesland. Oui. C'est bien ça. Donc, alors, attends, hop, la pause. Histoire 2. Donc, on va prendre Melilla, Fès. On va lui dire révoque corps, Fugood, non, retourne corps. Est-ce qu'on peut lui faire rendre des corps? Humiliate. Retourne corps. Warsiné, Stotlemsen. Casdir. Oran. Et voilà. Et donne-moi tes thunes. Ah non, on va pas rendre au rond. On va dire donne-moi la thune. Non, on va enlever Casdir. 309. Ok. Protestant! Voilà, c'est je suis protestant. Voilà, le Portugal protestant, c'est une grande nouveauté. C'est pas souvent qu'on le voit celui-là. Effectivement, c'est pas souvent qu'on le voit celui-là, effectivement. Il est. C'est joli. Mariage avec l'autre pécor. Ouais, de toute façon, je m'en branle même si je. Oh, et 3, 5, 6. Maria!
commencer une institution, je pense, c'est quoi? Ah oui, ça, j'ai toujours pas appelé la Renaissance. Bon, on va l'embrasser. Oh, le pitch Charlot! Le clochard! J'assume. On va voir le colonialisme qui va On va popper. prendre un petit peu. Ce qui serait drôle, c'est. Ce qui aurait été beau, c'est qu'on ait le message Portugal pour la Renaissance et après, le colonialisme apparaît. Juste le même mois. Lisbonne. New technologie. Diplomatie technologie niveau 7. Est-ce que, vas-y, dis-moi que je peux coloniser là-bas. Dis-moi que je peux y aller. Ah non, j'ai pas de coloniste tout seul, j'allais dire. C'est à quelle portée? Tu peux, tu me dis, hein, je dégage mon colon, je passe à province. Non, j'ai mon colon qui est utilisé, c'est pour ça. 319. Attends, que je m'occupe des mes différents trucs parce qu'il y a plein de trucs. Explorer. Explore. Ah, le tuning de fin d'épisode. Hop, bon, bah sur ce, les gens, hein, on va s'arrêter là. On vous dit bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Donc, ça y est, voilà. La série commence maintenant, en fait. On commence à chercher le nouveau monde, donc voilà. Donc, on espère que ça vous plaît toujours et on vous dit donc à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde! Au revoir les gens, et n'oubliez pas de nous soutenir, s'il vous plaît.